je retiens pas la manière, mais par contre, je retiens le résultat et je retiens surtout les 3 points. On n'a pas forcément été beau, c'était un contexte très particulier, un match avec de l'enjeu sur un terrain assez compliqué, voilà, sans supporters, voilà. On savait que c'était un match super important, fallait gagner, on s'en foutait un peu de la manière, et c'est ce qu'on a fait ce soir, on est très très heureux. Complètement, après c'est vrai qu'avec ou sans supporter, il faut rester dans sa bulle, c'est pas pour ça qu'on se relâche, parce qu'il n'y a justement pas de bruit. C'était un peu long même avant de tirer, mais voilà, faut rester dans sa bulle, être sûr de soi, et voilà, se présenter, prendre ses responsabilités, ça m'a souri ce soir, donc tant mieux. C'était très très important parce que comme tu l'as dit, on sort de deux défaites. Il était important de réagir. On sait que Chambly, c'est notre championnat. On a les mêmes objectifs. Il va falloir qu'on se maintienne en Ligue 2. On va se batailler jusqu'au bout. Voilà. En plus, on sait qu'avec le club Chambly, ça a toujours été un peu tendu. Bien évidemment, ça reste amical, mais ça a toujours été une tension particulière. Donc voilà, on est très content ce soir de ramener les 3 points. Je les remercie déjà avant le match. Je reçois pas mal de messages de soutien de leur part. Ils sont tous frustrés de ne pas faire le déplacement. Donc voilà, nous, on essaye de faire un maximum pour vous rendre heureux le week-end en ramenant les 3 points. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire et on le fera à fond. Et merci à vous encore pour le soutien. Ouais, le coach, malheureusement, il nous a appris au dernier moment qu'il était positif, il n'était pas bien. Voilà, pareil, on a reçu un message de soutien indirectement, mais juste après le match, il était avec nous, donc on s'est battu aussi pour lui. Ses adjoints ont fait le travail aussi. Donc voilà, on voit qu'on a un groupe, que ce soit le staff ou les joueurs, on est vraiment un groupe soudé, ça fait plaisir.